J'avais toujours pris l'habitude de me coucher vers les 10 heures du soir. Pour un homme occupé comme moi, partagé entre de multiples activités, je dirais même de nombreuses mondanités, c'était une sorte d'exploit. Un effort que je faisais sur moi-même et sur les autres. 10 heures. Cette rumeur de la nuit qui monte vers les appartements luxueux des beaux quartiers, de plus en plus paisibles. Des êtres insensiblement de plus en plus immobiles, qui se figent complètement. Déjà? Oui. Mais il est trop tôt pour aller se coucher. Il n'est jamais trop tôt. Car ce que je désirais, c'est faire taire tous les rires de la journée en moi. Cette activité en moi. Ce que je désirais, c'est attirer les autres dans ma nuit. À moi. Le réveil balance son tic-tac. Mon grand lit. Ce silence qui s'établit entre les êtres. Les draps si lisses qui glissent le long du corps, la respiration qui s'allonge peu à peu, établit son rythme que l'on appelle un sommeil. Mais le téléphone est posé là-bas tout au bout sur une table basse, éclairé par un clair de lune ironique qu'on ne voit pas puisqu'on s'est forcé à fermer les yeux. Un désir soudain. Je voudrais garder mes yeux fermés, mais une force me pousse. Je ne peux y résister. Ma paralysie ne peut s'emparer de moi. Je n'y pouvais rien. Si dans la nuit paisible, je me sentais devenir profondément dynamique. Les autres dormaient, qu'importe. Moi-même, je redevenais vif, animé, plus éclairé moralement qu'en plein jour. Alors on se retrouve debout. Symbole suprême de la vie qui veut s'emparer du vide, s'allier au bruit pour vaincre enfin ce silence. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone. Mais c'est toi qui le fais sonner. Justement, lorsqu'on a deux téléphones dans une maison, que l'un serve au moins à faire sonner l'autre. Et je te dis que le téléphone sonne. Quelle heure est-il? 3 heures. Oui, comme toutes les nuits. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu me réveilles chaque nuit avec ton histoire de téléphone qui sonne. Chaque fois, à 3 heures du matin, tu te tournes vers moi, heureux. Veux-tu que je te prépare une tasse de café? Et tu vas me chercher une tasse de café bien fort au cas où je pourrais me rendormir. La nuit n'est pas encore finie, tu achèves la mienne. Tu détruis mes rêves! Je vais te préparer un café. Tu détruis mes rêves.
Alors la réalité retombe sur moi et je pense à ma journée passée, ma journée future. Des angoisses me viennent. Un bon café bien fort, voilà ce qu'il te faut. Et j'ai de plus en plus peur de toi, des autres, de la ville. Allons, allons, ils dorment. Tu les réveilles, car il faut que tu prennes la nuit des autres. C'est ça. Tu t'attaques à moi, tu me persécutes, tu me terrorises. Tiens, bois. Non, je ne boirai pas. Je suis fatiguée de devoir te lever toutes les nuits à 3h du matin, pour me réveiller ensuite, me donner une bonne tasse de café, m'assommer définitivement. Mais qu'est-ce qui te pousse? Quel démon te force à courir aux heures où les autres éteignent leur lumière? Je n'aime pas le noir. Ou peut-être au contraire, je l'aime trop. Pourquoi ne laisses-tu pas assoupir ton corps comme ton cerveau? Parce que j'étouffe. J'étouffe. Quoi? Tu t'habilles? Tu sors? Oui, je vais prendre l'air. J'ai envie de respirer. Mais les rues sont désertes, les cafés sont fermés. Ah non, allons, il doit bien rester un ouvert. Avec un téléphone. Car tu ne penses pas que je vais me servir toujours ici de mon téléphone pour me faire repérer? Mais pourquoi as-tu toujours besoin de téléphoner la nuit? Parce que trop de gens dorment! Au revoir. Je sortais toutes les nuits. Car j'avais besoin de trouver des gens qui soient encore éveillés. Et j'en trouvais. Car j'ai constaté cet état de fait existant dans les grandes villes, comme dans les petites, ou les minuscules, et même les inexistantes. Tandis que des êtres grimpent lourdement les marches qui conduisent à leur chambre à ronfler, d'autres les redescendent à toute allure, font claquer les portes, entrent dans le brouillard. Ombre collée comme un sparadrap sur des murs qui louchent. Silhouette qui se détache avec peine de l'absence. Tu viens, chérie? La charité. Vite! Vite, un café, il y aura encore du monde. Un café du commerce. Où on entretient, on n'en fait aucun commerce avec ses semblables. Mais le seul ouvert encore à cette heure. Rendez-vous des cloportes, des hallucinés, des transis, des insomniaques, ou des satyres, comme moi. Je voudrais 100 jetons, s'il vous plaît. Oui, 100 jetons, merci. Regardez la main. Le téléphone se trouve où? En bas? Merci. Permettez. Pardon. Que de gens qui ne sont pas chez eux. Mais moi non plus, je ne suis pas chez moi. Ah, ah, le bouton du téléphone. Et hier, je m'étais attaqué à la lettre Y. Pas beaucoup de noms propres à cette lettre. Ah, la lettre P. Voilà ce qui me convient. Alors, Perpignan, parapluie, parapet, patrette, patrex, patrie, patriarca, patrice et Philippe, pétrijon, patricaenen. Ah, voilà ce qui me convient. 827, 34, 56. Encore un fumiste. Ah, alors, papy, piral, piratonie, pyro. Pyro. Bonne nuit, ça va? Qui êtes-vous? Je vous ai réveillé? Mais savez-vous l'heure qu'il est? Je vous ai donc bien réveillé. Qui est là? Je vous fais peur, vous avez peur. Allô? Vous êtes peut-être la seule dans une chambre solitaire, hein, c'est ça. Triste, sans le sou. Vous avez été abandonnée ou n'avez jamais trouvé personne? Allô? Allô? Pas la peine de vous énerver. Je raccroche maintenant.
Je sais que je vous ai pris votre nuit. Et si vous le permettez, je vous rappellerai quelquefois. Je rappelle toujours ce que j'ai senti bien frissonnant au bout de mon fil. J'aime la peur des autres. Leur insomnie congénitale soudain remise en marche. Qui êtes-vous? Ou j'appelle la police? Qui êtes-vous? Adieu, madame. Pas extra, celle-là. Je ne la rappellerai pas. Si j'essayais le haut, on fait un haut dans la nuit qui peut devenir... Ouh. Enfin, pas d'excitation, pas d'excitation avant le résultat. On brooke, on brotère, que de nom, mon Dieu, pourtant dit l'existence. Homme et dé, omègue, omnibus, ah non. Non, je n'appellerai pas un omnibus. Plus tard. Berveuil. Ou Berveuil, 643. 22. 97. Oui. Allô? Qui est là? C'est toi? Pourquoi m'appelles-tu toujours? Je sais que c'est toi. Tu ne réponds pas, mais je sais que c'est toi. Et sais-tu où j'en suis à cause de toi? Ce que je vais être obligé de faire pour toi? Je l'ai dit à ma mère, elle ne trouvera pas l'argent, tu entends? Il n'y aura plus d'argent pour toi. Rien. Tu entends? Pour toi, salaud, tu crèveras sans un franc. Je suis triste. Reviens, Roger. Oh, ça devient gênant. Ça ne me plaît pas. Je déteste les drames intimes. Je vais faire le S. Oui, ça sera mieux. Plus sensible. Séchoir pour coiffeur. Zec nazi. Sécotra. Sécourgeon. Le secours. Secrète. Ah, joli nom. Secrète. Secrète. Georges, 224, 22, 87. Oui. Monsieur Secrétin Georges. Oui. Il est arrivé un malheur? Quel malheur? Le malheur qui consiste à exister. Vous comprenez? Alors si vous ne comprenez pas, je vais vous dire, comme dans ces radios périphériques, on n'arrête pas de gagner n'importe quoi. Vous avez gagné un appel téléphonique d'un monsieur enfermé dans une cabine téléphonique située dans un café rempli d'insomniaques qui pourrait aussi vous appeler tant il y a de... fou dans cette ville. Nous sommes à la merci d'un fou, n'est-ce pas? C'est moi qui ai fait votre numéro au hasard. Avouez que c'est amusant, non? Très amusant. Je dormais, monsieur. Vous dormiez? Oh, comme j'en suis navré. Vous dormiez? Oui, monsieur. Je me lève demain, monsieur. Je travaille. Vous travaillez? Et dans quelle branche puis-je savoir? Monsieur, ce n'est pas une heure pour faire la conversation. Si, si. Tout horaire est valable pour échanger des propos urbains, des conversations que nous n'avons d'ailleurs pas en général. Mais vous êtes fou. Alors, vous vous amusez? Oui. En téléphonant à des inconnus. À moins que vous ne me connaissiez. Devinez. Non, je n'ai rien à deviner.
Il a raccroché. Mais si tu crois, mon vieux, que je vais te lâcher comme ça... Ça suffit. Laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien fait. Justement. Je suis un homme tranquille. Je n'ai jamais fait de mal à personne. C'est un tort. Je déteste tout ce qui est étrange, malsain, compliqué et bizarre. C'est un tort extrême. Je suis sain. C'est encore un tort plus extrême. Si je le veux, compris? D'abord, vous saurez que lorsque je crois avoir pêché un bon poisson, je ne lâche plus mon hameçon comme ça. Je fais, au contraire. J'ai l'impression, est-ce une illusion de mes sens exacerbés par la nuit, que vous écoutez de la musique? Vous savez, il existe des musiques que les hommes n'aiment pas entendre. Vous avez remarqué? Nous sommes des millions dans cette ville, et le dialogue nous manque. Pourquoi ne répondez-vous pas? Vous ne voulez pas dialoguer avec moi? Monsieur Ségrétin Georges, j'aime pourtant votre voix. Une voix jeune, sans doute. Un jeune homme à l'orée de sa vie. Je dirais, à l'orée du bois. Monsieur Ségrétin Georges, racontez-moi tout sur votre traversée du bois. Car notre existence est un bois touffu, marécageux. Non. Dépêchez-vous. Allô? Répondez. Il y a un type qui veut téléphoner. Je peux même vous dire qu'il est laid. C'est étrange comme la nuit recèle des horreurs, tous ces cloportes qui sortent la nuit, ou plutôt qui ne se décident pas à rentrer chez eux, à dans leur tanière, à qui on ne peut même pas prendre leur nuit puisqu'ils se la prennent à eux-mêmes. Répondez. Répondez, car de toute façon, je ne vous lâcherai pas. Voilà, voilà, on arrive. C'est fini? Je suis avec un correspondant, monsieur, un correspondant qui croit me faire marcher. Les autres disent allô, ils s'affolent, mais... Lui, ils s'affolent pas, mais je l'aurai quand même, hein. Je préfère jouer votre Mozart à Troubirzing, je vous aurai. Oh, vous le donnez ce téléphone? Mais qui voulez-vous appeler? C'est pas une heure pour téléphoner, mais... Non, mais dites... Il va me faire accrocher, c'est incroyable, les clients de ce bar de commerce. Un bar à la noix, je suis un habitué, monsieur, moi, je... Toutes les nuits, je... La communication a été coupée. Ouais, vous m'avez coupé avec mon correspondant. Je ne le connaissais même pas. Alors, le temps que je le retrouve... Le bar du commerce. Ah, cette musique! Bon. Il existe des tonnes de bars du commerce. Voyons ce qui peut bien être ouvert en ce moment. Dans le centre. Ou bien près de la gare. Numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement.
Le bar du commerce. Hein? Monsieur, je cherche un monsieur qui téléphone beaucoup. Non, ne raccrochez pas, c'est très sérieux. Il m'a dit qu'il venait toutes les nuits chez vous, avec plein de jetons. Vous le connaissez? Non. Je pourrais le voir s'il ne téléphone pas encore. Non, écoutez, je vous donnerai un bon pourboire. Retenez-le un peu, j'arrive. Mais... Pouvez-vous le retenir, s'il vous plaît? J'arrive. Vous êtes de la police? Non. Non, un fou comme lui. Je prends un taxi, j'arrive. Tenez, je vous les rends, Boston, ça ne marche pas ce soir. Dites donc, vous ne croyez pas que je vais vous les rembourser, non? Ils vous serviront pour la prochaine fois. Pas question, à chaque jour, six nouveaux jetons. Et moi, je dis non. Dites donc, vous direz que ça vous ennuie que je téléphone chez vous? Ouais, ça m'ennuie. Il faut que j'arrive à temps, il faut que je le retrouve. Mais pourquoi dois-je absolument le retrouver? Sa voix, peut-être. Elle n'est pas pire qu'une autre, sa voix. Ben pourtant, je vous fais gagner de l'argent, non? Allez, reprenez vos jetons. Moi, je les reprends pas. Mais il me trouve les poches, vos jetons. Allez, reprenez-les, vous êtes obligés de me les reprendre. Et vous? Vous n'êtes pas obligé d'en prendre autant. Un jour, vous aurez des ennuis. Comment? Des menaces? Monsieur? Oui? Je suis votre correspondant. Je suis celui... celui que vous venez de réveiller à 4 heures du matin. Il y en a tant. Ce Gretin, Georges. Ça ne me dit rien du tout. Je reconnais votre voix. Eh bien, ravi d'avoir fait votre connaissance. Ah non, 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 vous n'allez pas me filer comme ça entre les pattes. Non, vous m'avez réveillé à 4 heures du matin. Eh bien, allez vous recoucher. Je vous promets que je ne vous rappellerai pas de la nuit. D'ailleurs, après vous avoir vu, je crois que je ne vous rappellerai jamais plus. C'est fou ce qu'on peut être déçu par les gens. Au téléphone, ils prennent des apparences, on les imagine, je ne sais pas comment, et puis finalement, dans la réalité... Non, non, non mais dis donc. Non, hein. Vous n'allez pas vous bagarrer chez moi. J'appelle la police. Hein. Ah non, la police, ah non, 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 pas la police. Allez, je n'ai jamais eu affaire avec la police. Et là, non, 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 ne filez pas, hein. Non, je veux vous connaître, moi. Non. Il ne faut pas qu'il me rattrape. Je ne veux pas qu'il connaisse mon nom. Alors ce serait lui qui me téléphonerait. Je dois rester anonyme. C'est dans l'anonymat qu'on s'amuse le mieux. Toute cette ville emplie d'anonymat, où les gens ont peur. J'ai peur. Je crois que je l'ai garé. Ah, je l'ai échappé belle. La prochaine fois... il faudra que je change de café. Même circuit. On s'étiole. Et puis un jour... une nuit... s'est endormie en écoutant de la musique. Comme c'est étrange. Il existe des êtres qu'on passe toute la vie à essayer de réveiller. Et sitôt que vous avez le dos tourné, ils se rendorment, comme s'ils se reposaient enfin de ne pas se trouver en notre compagnie. Pauvre. J'ai besoin de la nuit, tu comprends. De celle des autres, bien sûr. Réveiller les couples, effrayer les solitaires, forcer tous ces gens réveillés à leur tour à éprouver le besoin de s'emparer de la nuit des autres. La ville, apparemment endormie, crépite alors d'appels angoissés. Ma pauvre chérie,
Je t'aime, mais je ne peux pas faire autrement. Qui de nous n'a été au moins une fois confronté avec l'horrible nuit, ses appels, son angoisse? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi qui appelle, je te jure. Oh, tu es rentré, toi? Ne réponds pas. Si ce n'est pas toi qui as téléphoné, cette fois-ci, je réponds. Allô? Je suis chez lui. Hein? Voulez-vous me le passer? Dites-lui. Dites-lui que je l'ai retrouvé. Et il t'a retrouvé? J'en doute. Je ne suis pas là. Vous êtes peut-être... sa femme? Oui. Je suis celui qui l'a réveillé. Lequel? Le dernier. Il m'a réveillé. Je suis désolée. Pourquoi? Peut-être a-t-il bien fait. J'étais trop calme. Je me couchais si tôt. Il s'est passé enfin quelque chose. Je ne dormirai plus maintenant. Et vous? Vous êtes réveillée? Oui. Par lui? Par moi? Non, n'en est pas continué cette conversation. C'est moi qui téléphone la nuit, pas les autres, compris? Allez dormir. Nous avons passé un excellent moment ensemble. Restons-en là. Mais c'est que je ne veux pas en rester là. J'étais un petit jeune homme bien tranquille. Pauvre monsieur. J'ai eu une toute petite situation de magasinier. Je m'en fiche. Allez, au revoir. Tu es content? De quoi? D'avoir réveillé un pauvre type qui ne va plus pouvoir se rendormir. Si ce n'est que ça, il en guérira vite. Il n'a qu'à prendre un somnifère. Comme s'il suffisait de prendre des somnifères pour se rassurer. Oh. Je suis si fatiguée, moi aussi. Toutes ces nuits, sans dormir, cette insécurité... Mais pourquoi as-tu besoin de cette angoisse des autres? Dis! Pourquoi ne te contentes-tu pas de ce qu'il te faut? Une bonne situation, beaucoup d'argent, cet immense appartement? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Un soir, j'ai trouvé que le soir descendait trop vite. Ou peut-être pas assez vite, enfin, je ne sais plus. En tout cas, je me suis senti si triste. J'appuyais ma tête contre les vitres de la fenêtre. Je ne voyais que quelques lumières en face. La nuit. Et je me suis dit que ce n'était pas possible. Mais qu'est-ce qui n'était pas possible? Mais que je vois si peu de lumière dans cette nuit. Alors j'ai commencé à vouloir plus. À chercher quelque chose. Mais tu m'as, moi? Cela ne me suffit pas. Tant d'autres êtres qui existent dans ce monde, tant de nuits si proches des nôtres, et que l'on peut posséder aussi. Peux-tu entendre? Non, je veux dormir. Enfin, essaie de comprendre. Il suffit de soulever l'écouteur de son téléphone, faire un numéro et de joindre quelqu'un, n'importe qui dans la ville. Tu as toujours essayé de fuir cette pensée que d'autres gens que toi pouvaient exister, palpiter dans le noir. As-tu jamais essayé de faire un numéro occupé? Alors, dans les interstices de la voix enregistrée qui répète qu'il n'y a pas d'abonné à la personne demandée, on entend des êtres vivants parler. Entends-tu ces appels, ces déchirements de la nuit, ces angoisses, cette solitude? Tu ne recherches la solitude que parce que tu vis avec moi, que tu m'as. Pas seulement. Tu veux tout détruire parce que tu es déjà détruit, un homme presque vieux. Non, j'aime des voix inconnues que je peux ignorer, même lorsqu'elles se taisent et que je dois rejoindre. Et moi, ma voix, y penses-tu? Lorsque je me réveille seule,
que je me demande où tu es parti encore, que je sais que tu vas encore t'emparer de cet appareil maudit, que tu vas téléphoner. Ne casse pas le téléphone. Ah, tu es l'homme qui avait besoin de la nuit des autres. Mais toi, qui te dit qu'un jour un autre n'aura pas besoin de ta nuit à toi? Oh, que je souhaite qu'arrive ce moment. Le téléphone? Non. La porte. Il m'a donc rejoint. Il va me coincer. Ne bouge pas, je t'en supplie. Pourquoi? Tu as peur de moi? Tu as peur que je te trahisse? Il est derrière la porte. Oui. Oui. Il a su te rejoindre. On ne peut pas me rejoindre. Si, on peut rejoindre tout être. Et maintenant, c'est toi aussi qui seras harcelé à 3h du matin, toutes les nuits, tandis que tu te réveilleras en sursaut. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. C'est à moi d'agir maintenant. Monsieur, c'est vous? Moi? Voulez-vous m'emmener? Oui. Vous êtes jeune? Très jeune. Vous ne me connaissez pas. Peut-être que je suis moins jeune. Vous le regretterez? Certainement pas. Non, non, il plaisante, il se vante. Monsieur, je vous conseille de partir. Vous allez ameuter tous les voisins, je serai obligé d'appeler la police. Pourquoi, monsieur? Notre femme me propose une affaire intéressante. Je vais vous prendre votre femme. J'en doute. Elle est malheureuse, j'en suis sûr. Oui, oui, je suis malheureuse. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas vous que j'ai retrouvé, mais elle. Il m'a retrouvé. Mais tais-toi, idiot, vois bien que ce n'est pas sérieux. Je suis très sérieux. Je suis derrière cette porte, encore isolé. Mais ça va finir. J'en doute. Si, si, une femme vivant aux côtés d'un homme qui a besoin de la nuit ne peut pas être heureuse. Oui, oui, je suis très malheureuse. Je suis Marguerite, très... éloigne-toi de cette porte, Marguerite, et vous partez. Non, non, elle me rejoindra. Il faudra votre punition. L'avez-vous assez appelé la nuit? L'avez-vous assez tourmenté avec vos coups de fil innombrables, interminables? C'est faux, je ne vous appelais qu'une seule fois. Non, non, toutes les nuits. Non, cette nuit est tout à fait par hasard. Non, non, car je suis celui par qui vous avez appelé tous les autres. Tous les pauvres célibataires décelés, mâles ou femelles, veuves hystériques, vieilles filles accablées, adolescents romanesques, je serai pour vous le fantôme de tous vos fantômes. Un fou. Mon mari dit que vous êtes fou. Non, 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 pas plus que lui. Êtes-vous appuyé contre le mur près de cette porte, sur le palier? Oui. Alors c'est comme si vous me téléphoniez. Avez-vous allumé la lumière dans les étages? Non, non. J'ai besoin de la nuit, moi aussi, madame. Le jour me fait tellement horreur. Car tout y est si simple, si banal, si obligatoire. Si obligatoire? Oui, madame, oui. Oui, la vie est trop obligatoire le jour. La routine, la pauvreté. Et je sens que sur cet étage, dans votre maison, la pauvreté ne doit pas régner. Ce petit jeune homme est certainement un petit ambitieux, paranoïaque, insatisfait, que mon coup de téléphone a réveillé. Alors il vient avec toutes ces frustrations. Et je vais lui ouvrir. Voulez-vous que je vous ouvre la porte? Voulez-vous que je vous ouvre la porte? N'en avez-vous pas assez, vous aussi, de vos formes d'appel en conversation téléphonique? Vous rendez-vous compte qu'en quelque sorte, sur ce palier, vous continuez à me téléphoner? Oui, je m'en rends compte. Voulez-vous que je vous ouvre la porte? Tu vois, il ne veut pas. Oui, alors je les connais, mes inconnus de la nuit, aussi transis d'obscurité que moi. Ils disent qu'ils ont peur du noir, mais ce dont ils ont encore plus peur, c'est du jour qui les montre à eux-mêmes, là, tels qu'ils sont, dans leur laideur, dans leur médiocrité. Jeune homme. Oui, monsieur. Vous dites-il, je m'en suis aperçu dans le café, hein. Petit, laid, contrefait, c'est ça, hein?
Ou alors c'est pire, vous êtes banal. Très banal. Semblable à des millions d'hommes dans la rue et cela vous protège, pensez-vous, caché, hein, protégé par votre anonymat. Vous voulez rompre le mien. Bien, je vais vous dire qui je suis maintenant. Je suis riche. Très riche. Puissant même. Dans la journée, je commande à une armée de secrétaires. J'ai plein de subalternes minables à qui je fais peur rien qu'au ton de ma voix et qui vous ressemblent cachés derrière les feuilles tremblantes de leur dossier dont je me moque. Dans la journée, je téléphone, monsieur, au contraire de la nuit, à des gens qui possèdent un visage, une surface sociale. Pas comme vous. Non, tu n'écraseras pas ce jeune homme comme tu en as écrasé d'autres. Je résisterai, moi aussi. Décidez-vous, monsieur. Je peux vous ouvrir. Avant que le jour ne s'annonce, les réveils des chambres de bonne, les premières voitures de livraison de la matinée, profitez de la nuit. Vous êtes accomplice, c'est ça? Non, je vous le jure. Vous faites tout ça en accord avec lui, c'est ça? Pour que de pauvres types comme moi quittent leurs chambres pourries, leur quartier minable, et viennent jusqu'à votre palier, que même dans le noir, j'imagine très luxueux. N'imaginez rien, monsieur, et partez, la plaisanterie est finie. Partez. Non, non, je ne veux plus partir. Je me fous de ce qui peut arriver maintenant. Mais je resterai. Marguerite, allez, viens, reculons jusqu'au fond de l'appartement. Le jour n'est pas encore levé. Prenons de la distance vis-à-vis de cette énergumène. Ah, vous pouvez croire que vous prenez de la distance vis-à-vis de moi. Mais je vous ai rattrapé et je ne partirai plus. J'ai peur. N'aie pas peur, je te protège. Vous ne protégez rien, même pas vous. Et encore moins, votre femme, que je vous prendrai. Ainsi que votre belle situation, votre armée de sous-traitaires, de subalternes tremblants. Ce bel appartement, je le prendrai! Folie très caractéristique, paranoïa sociale. Je connais bien, j'ai connu, moi aussi. Non, mais vous ne me faites pas peur. Je n'ai plus peur de scandale. Au contraire, je le souhaite. Ouvrez! 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 Pas question! Je m'en fiche! Je t'appelle pour vous, car il y a trop longtemps que je ne dors plus réellement moi-même. Des nuits, je m'assois sur mon lit, tandis que je sais que les autres vont et viennent sans moi. Alors j'ai envie de prendre mon téléphone, moi aussi, d'appeler une femme jeune et belle. Allô? C'est moi. Je suis jeune. Je suis prêt. Ouvrez. Je vais lui ouvrir. Autrement, la nuit s'achèvera. Et je resterai sans rien. Tant de fois que moi aussi j'ai espéré un appel qui me réveille réellement. Qui me transforme. Alors je la vis traverser tout l'appartement. Longue enfilade de pièces. Avec cette démarche si souple que savent prendre des femmes plus très jeunes qui croient se rendre à la rencontre de leur destin. Mais je savais que le jour lui serait néfaste. Comme à l'autre derrière la porte, il faisait partie de ces êtres si nombreux sur cette terre qui ont besoin de la nuit. Je vous ouvre la porte. Je vous cherche. N'ayez pas peur. C'est noir. Voulez-vous que j'allume la minuterie? Non. Mais si nous restons toujours dans l'obscurité, nous ne nous rencontrerons jamais. Tes appels doivent toujours se terminer en réponse. Peut-être, mais moi je referme la porte. Car qui croyait prendre est pris. Je m'en vais. Au revoir, madame! Non, restez, pitié! J'allume la lumière! Je courus tout au long des marches. Je courus sans me retourner. Derrière, cette femme courait après moi. Et je savais que lui regardait par la fenêtre et riait aux larmes. Car il avait eu sa nuit jusqu'au bout. Une nuit splendide qui s'achevait dans un jour si terne. Attendez-moi!
Le jour vient. Attendez-moi. J'ai envie, moi aussi, d'être heureuse. Aimer un homme comme vous, jeune encore, et qui ne téléphonera pas la nuit pour endormir sa peur et réveiller celle des autres. J'ai besoin de tendresse, de bonté, de joie, de douze airs d'opéra. Nous irons à l'opéra, vous et moi. La ville peut être belle, surtout le soir, vous verrez. Les charmes des prémices de la nuit, de l'amour, des regards d'une femme vers les lèvres humides d'un homme qui ne téléphonerait pas pour oublier, se détacher d'elle, chercher ailleurs. Pourquoi chercher ailleurs? Non, 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 il faut que je rentre. Il faut attendre d'autres appels. Pourquoi chercher ailleurs? Si je retourne chez moi, mon mari ne voudra plus m'ouvrir. Je connais les hommes, comme les femmes. Le jour où ils n'ont plus besoin de vous, c'est fini. On frappe à la porte et ils n'ouvrent pas. On téléphone et ils ne décrochent pas. Que deviendrai-je en plein jour? Je suis pressé! Il faut que j'aille travailler! Ne raccrochez pas! J'ai envie d'être regardée, de changer de vie! Je veux être vue en plein jour! Vous avez tort. Ah! Moi, pendant ce temps, je décidais de poursuivre ma route tout au long de ce monde que l'on nomme l'insatisfaction. L'obscurité m'avait déplu, la clarté me plairait-elle? Qu'importe, j'aurais besoin des deux. Saisir le téléphone à pleine main. Le grouillement. Les autres. Casanova appelle Roméo. Casanova appelle Roméo. Sherazade est sur le réseau. Oui. Allô. Roméo appelle Juliette. Tu m'entends? Casanova appelle Roméo. Sherazade est sur le réseau. Je suis l'homme qui a besoin de la nuit. Je suis l'homme qui a besoin de la nuit. J'ai 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 besoin de la nuit. J'